L'idée est simple. On part de la Cano et on rame jusqu'à la dune du Pilat. On part en autonomie jusqu'à la pointe du Cap Ferret. On longe les dunes et les baïnes en naviguant grâce au thermique. On rame presque 50 bornes, une traversée océanique de plus de 6 heures. Ce sont les conditions météo qui déterminent le départ. Le vent, la houle, les marées, les coefficients. Je m'entoure de marins pour étudier des cartes météo, des semaines à l'avance. Je souhaite utiliser le paddleboard comme lien entre tous les sauveteurs. Qu'ils prennent leurs planches le temps de quelques kilomètres afin de rallier le prochain poste. Cette traversée est une expérience unique, un aboutissement d'une préparation rigoureuse. J'ai déjà effectué cette traversée en solitaire. On se pose de nombreuses questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi maintenant? La réponse est simple. La récompense se trouve à la pointe du Cap Ferret, lorsque nous commencerons à surfer dans les passes du bassin d'Arcachon et que nous terminerons face à la plus belle dune du monde. L'intensité de ce moment sera décuplée par la fatigue accumulée le long de ce voyage. C'est alors que nous prendrons la pleine mesure de la beauté de ce lieu et l'intérêt d'effectuer la dune paddle crossing.